64. C'est toi qui me sens pas de... Miroir commencé, non? Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le live du direct. C'est le live, voilà, exactement. Donc, bonjour, chers amis du club Génération Geek. Donc, je suis le Toto Chirago au servir, et je suis évidemment avec... L'Intentecœur. Ah ouais, ils sont contents, putain. On a entendu un énorme cri de joie. Voilà, merci à vous d'avoir répondu. Présent pour nous. Vas-y, hop, ça va chercher, t'inquiète voilà. pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur ISS Pro 64, un jeu qui doit dater d'environ... 97, c'est ça. Environ tout. Voilà, 96 ou 97. Ici, tout en bas. Voilà. On va expliquer le jeu. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un PES. Oui, à l'époque, c'était le rival de... Enfin, à l'époque, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la licence PES, au Japon par exemple, ça s'appelle Winning Eleven. Mais en Europe, ça s'appelait ISS, International Superstar Soccer, lors de ses débuts. Et lorsqu'il y a eu... Excusez-moi deux secondes, je baisse un peu le son. Et baisse-moi le son, s'il te plaît. Ouais. Merci Gertrude. C'est bien génial, les directs. Et ben à l'époque, en fait, il y avait la rivalité donc entre International Superstar Soccer et à ses débuts aussi, il y avait FIFA International Soccer. Voilà, exactement. C'était la petite, un peu. Tout à fait. C'était l'un de ses concurrents, son concurrent principal. Exactement. Voilà. Après, voilà, ce jeu, voilà, celui-là, ISS Pro 64, voilà, reste quand même une version d'une référence, voilà, oui, qui est quand même oui. très sympathique à jouer, voilà, même si voilà, ce n'était pas un FIFA, voilà, effectivement, ouais, voilà, mais... Excellent jeu. Mais c'est un excellent jeu, oh, quoi, oui, un excellent voilà. jeu qui, à l'époque, faisait très mal, tout le contraire de son futur, qui est FIFA International Soccer 98 pour la Coupe du Monde 98, qui était une pure arnaque. Oui, parce qu'on nous a dit que vous avez tout... Ah, attendez, dans ce jeu, vous avez tous les stades de la Coupe du Monde et puis les vrais joueurs. Hein. Ah oui, ça, non. C'est... Et puis quand tu crées ton joueur, c'était une sous-merde. Ouais, ouais, et c'était une sous-merde. Alors que là, voilà, International Soccer 64. Et ça reste du bon. Vas-y, mon cher Toto, fais open game. D'accord, c'est parfait. Et on va faire... voilà. On va faire du 1 contre 1. Eh ben on va faire du 1 contre 1, voilà. On est un pays, on est un groupe de binationaux, donc on va choisir notre binationalité entre guillemets. Voilà, tout à fait. Alors allez, voilà, binationalité. Moi je suis néerlandais, toi tu es italien. Voilà, bah écoutez, moi je suis franco-italien. Ah, ah bon, tu es t'as des origines italiennes? Ah non, en fait, non, voilà. Je suis, non, voilà, c'est ça, en fait je dis ça, voilà, c'est parce que je me considère en fait. Mon âme est bleu, blanc, rouge, mais mon cœur est ma Italie, évidemment. Ma Italie, que des Manzac, évidemment, des Maranello. Mais ça, c'est une, voilà, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec le football, évidemment. Mais voilà. Évidemment. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je choisis. Alors, si vous vous posez la question, pourquoi la France a autant de bons, voilà, 99 au niveau de l'offensive, 90 au niveau de la défense, et oui. au TTL, je ne sais pas ce que vous dites, je vous dis. Voilà. C'est parce que c'est moi qui ai mis des joueurs parfois réels de l'équipe de France et un petit bonus, un petit joueur bonus qu'on mettra plus tard, vous verrez bien. Attends, je peux le faire en production. Ah voilà, particularité, hein, c'est pas comme FIFA, ce bouton là. Oh, ouais, voilà, changer la couleur des maillots. C'est ça, voilà, donc ça après être de faire sans problème. Voilà, donc tous les joueurs on va les mettre au bout. Au bout, oui, voilà, c'est voilà. Et attends, on va jouer dans... D'accord, on va jouer à SOS America. On va jouer au Maracana. Le vrai Maracana, à l'époque, avec près de 200 000 spectateurs. Effectivement, ce grand Maracana. Magnifique, quand même. Ouais, ça fait donc, vous êtes prêts? Je suis prêt. Je crois qu'on change en partie. Vous voyez, à l'époque, c'était pas vraiment les vrais joueurs. Donc, à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tant qu'on a un bon joueur, tant qu'on a un bon jeu de foot, c'est comme récemment j'avais fait Pixel Club Soccer qui est excellent, mais malheureusement il n'y avait pas les clubs. C'est peut-être le seul problème de ce jeu-là, il n'y a pas les clubs, mais bon. Oui, après voilà, c'est. Là voilà, c'est juste voilà, c'est juste du niveau international, après voilà, mais bon globalement, on voilà, est là c'est... pour s'amuser, voilà, c'est l'essentiel en tout cas. Italie, c'est Pays-Bas. Libre, les spaghettis ouais. contre les coffee shops. Les coffee shops, voilà, vous voyez. Oui, comme quoi on fait notre Il y a Ferrari,
D'un côté, il y a Ferrari et l'autre, il y a la voile rouge. Comme quoi, d'un autre côté, on n'a qu'à dire ça. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Voilà, exactement. Donc, y a pas de jaloux. Tu as bon, ceux qui comprennent, je crois. Ah, ah bon c'est... Tu as choisi ça, donc c'est bon, regarde, bah, c'est à toi. Ah bah je vais prendre le ballon. Ah bah oui, non. Et toi tu attaques le... Oh bah oui, pas là. Voilà, tu serais bien entendu avec mon notre cher mec Climat. Lui aussi il a des anneaux, il est binationaux de nationalité. Hein. Oui c'est vrai, oui, oui tout à fait. Tout à fait, il est italien. Alors attends, il faut que je me souvienne des actions, bordel de merde. Ça c'est le sens, il faut arriver à... Ça c'est l'accélération, ah oui, très bien. Voilà, attends, je vais... Allez, Michel, vas-y frappe. Oh putain! Oh tu as déjà, tu m'as. Oh là c'est. Oh putain, qu'est-ce que je t'ai envoyé dans la gueule? Un petit peu là, tu vois, mais c'est pas grave. Bordel, c'est... Les contrôles sont extrêmement faciles dans le jeu, je vous le dis tout de suite. Et il est hyper fun. Allez Michel. Allez Michel, big! Encore! Oh, aucune défense! Oh là là, le catenaccio! Oh attention les tacs. Oh Zappa, qu'est-ce que vous zappez, Zappa? Zappa. Zappa la pala, Zappa la... Ah mince, ah, merde, ouais, mais j'ai... Kajik, attends. J'ai... Merde. Oh là là, punaise, bravo. Écoutez, vous voyez. Punaise. Oh punaise, quel chevelu pour Galfano. Oui, Galfan. Vous savez qui est Galfan. Non, mais c'est pas des joueurs officiels. C'est pas des joueurs officiels, donc tu vois, oui, non, on est bien d'accord. Alors, on va voir Will Blaine. Par contre, je suis dégoûté parce que je ne vois rien. Oui, c'est ça le problème. Je vois rien. Attends, on va faire un start. Je propose quand même de changer la caméra parce que elle est honteuse. Donc, on est bien d'accord, non, mais remets. Alors, attends. Voilà. Non, voilà, zoom. On va quand même on va éloigner, quand même. Éloigner un peu pour que ça ait plus de... Et voilà, quand même. Ouais, on voit quand même plus de choses. C'est un peu mieux comme ça, t'as raison. Oui, pour non, chacun, c'est plus égal. Allez, Michel, il se prend le ballon, mais quel couillon. Oh non. La défense italienne est là. Est-ce que je me reprends la même branlée que la dernière fois? Vous voulez qu'on se mouille, c'est un peu la vérité. Oh le tableau par derrière, Schanker, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, mais... Qu'est-ce qu'il a appris, il est fou? Écoute, oui, mais c'est... Bah tu sais des fois, hein. C'est jamais. Alors, qui... Ah bah tiens, hey, j'ai cru que c'était vous qui avez tiré. Oh le. Qu'est-ce qu'il fait? Alors des fois, quand vous tirez un coup franc, j'ai remarqué, dans ce. Je prends un petit peu plus de temps pour parler, mais j'ai remarqué des fois dans ce jeu, c'est arrivé, on tire un coup franc, vous voyez là, on est là. Il y en a qui était à l'autre bout du terrain, et là vous voyez la caméra qui part vers lui et il met 3 heures à arriver pour venir chercher le ballon. Bon ça c'est un peu particulier, mais en même temps c'est très drôle. Bon, voilà. Essaye un peu pour voir. Essaye un peu pour voir. On fait un coup franc pour voir. Allez, essaye le coup. Bah alors attendez, hein, comment je vais... Alors attendez, voyez. Essaye de nous faire un Ronaldinho. Qu'est-ce qu'il... Tu vas le tenter? Je ne sais pas, non, attends, je... Bam! Qui s'est parti? Écoute, je... j'ai voulu tenter... Il fait... Oh là là! Oh là là! Ah, c'est encore lui! Galfan! Ah bah, Galfano, il nous a remis le coup, là! Il nous a remis le coup. Oh, quel beau jeu! Après, non, il faut... Après, je sais que c'est des actions, des fois... Il faudrait faire des actions peut-être un peu moins simplistes, des fois. Je des frappes de 30 mètres! Frappes de 30 mètres! Pas sûr que ça rentre à chaque fois, mais... Ah bah, attends, il faut tenter. Il faut tenter, petit dernier rêve. Allez, on s'en donne des oh, oh, Paganini, quel arrêt, Paganini. Tu as tenté, c'est très bien, tu as bien raison. Allez, d'accord. On va essayer un coup, attends. Ah, non, c'est, pas ah. Pas, c'est pas comme un FIFA. Ah, tu peux pas trop. J'ai déjà essayé, t'inquiète pas pour ça. Allez, allez. Oh là là là. Oh là. Et c'est où déjà pour... Pour tacler? Non, 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 pour courir. Pourquoi? Ah, je ne sais plus pour courir. Ça, je crois que c'est un des boutons jaunes. Je vais pas me prendre. Arrêtez. Bah, tu vois, j'aurais dû marquer le but. Tu y allais, mais c'est un coup de ah, sang. Ah, ça, il est bon. Ouais, il faut être régulier. Oui, bien sûr, monsieur. Ça, c'est le centre. Boum. Voilà, vous voyez. Hop. C'est village grand, mais. Tu reprends. Bichère, allez, vas-y. Il va tout seul, Michel. Allez, Michel, ah oui. Ah oui, Michel. Il va tout seul, il va tout seul. Ah, il qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai même pas. Vous voyez comme quoi, des fois, il faut bien être concentré sur le jeu quand même. Qu'est-ce qu'il fout du gardien? Pas bien compris, voilà, c'est une bonne fête, aujourd'hui. Hein. À corner, allez. Oh. Là, il faut vraiment revoir les contrôles. Ouais, par contre, oui. Mais il n'y a plus personne. Merde. Mais putain! Oh la bronze! Je sais pas ce qui se passe, ton goal, c'est une passoire ou quoi? C'est la défense qui est une passoire! Peut-être un peu aussi, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça?
Après, c'est à se demander, oui, je sais bien. Voilà, là, il est content, hein. On dit, c'est bien. Après, t'as des... On marque une erreur. T'as les réglages, remarque, des fois, pour renforcer ta défense, ou alors pour mettre un joueur de plus, peut-être. J'ai surtout selon... regardé comment on fait pour courir, parce que j'ai pas trouvé. Alors pour courir, hein, je te dis, il y a une... je sais plus, t'as une touche, mais je me demande si c'est pas une touche... Et peut-être un but avant la mi-temps. Oh là oh, il était méchant. Et ben là, tu vois, on va pouvoir retester si on a un qui vient de... je sais plus où. Un replay. Alors replay, ça veut dire généralement que vous allez vous prendre un carton. Ralenti. Ah non, il se ralentit, replay. Ouais, mais c'est, généralement, ce qui montre le replay, c'est qu'il prend un carton. Tu vois. Ah, il est le cas. Eh, hey, à l'époque, mes loulous, à l'époque, oui, parce que pour moi, tu ne le savent pas, mais normalement, c'était dernier défenseur, c'est un carton rouge. Là, c'était le carton jaune. Eh oui. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est, cette merde? Ah oui, j'allais dire, putain. Alors, attendez. Ah oui. Je sens, je pousse ça. Oh, encore. Oh, mais c'est pas gagné, mais c'est pas gagné. Il est trop bon ce gardien. Oh là 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 là, il y a du Gianluigi Buffon. Oh, t'as fait une poussée. Oh, oh, oh. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez la branlée. Non. Oh non, le gardien. Là, tu veux. Il je vais t'en un truc là. Il fait une passe. Ah bah après c'est... Non mais des fois t'es là, on appuie trop dans les buts. Oui ah, voilà là. Bon bah voilà, tu vois bon. Par contre il y a un problème là, depuis longtemps c'est déjà la fin du match. Hein. C'est... Il y a déjà... C'est... Il y a oui, deux minutes sont longues. Après je te rassure, la mi-temps c'est à 5 minutes. D'accord, il y a ok. 3, mais la mi-temps est à 5 minutes. Oui, non. Je te rassure, on n'aura pas à tant de diplômes non plus pour qu'il y ait une... Voilà. Pas de panique, on va s'en sortir. Allez, Coppers, voilà. Oh, mais c'est pas possible Antonini. Écoute, tu as encore mis un carton. On se terminait à 10 contre 11. Et là, c'était encore Antonini ou je ne sais plus, oui, là. Il me semble. Carton rouge, là. Non, rien. Et le cas. Et écoute, là, je suis... aucune discipline, là, tu vois, je suis vraiment... Parce que je te fais peur, je te fais peur. C'est ça, donc tu vois, je mets des tacs, tu vois, je suis un salopard. Alors, attends. Le gouvernement. Merde. Allez, go. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai toujours pas trouvé, donc je cherche également cette fameuse touche de rapidité. Ah, voilà. Oh, half time. Ah bah, il semblerait qu'il faut rester appuyé dessus, peut-être. Pour rester, oui, peut-être, parce que oui. Tu fais en par séquence, c'est ça, oui. Exactement. D'accord. Eh bien, mes chiroulous, mon cher Toto Chirac, le score actuel de 3-1 pour la... Pour l'Italie. Pour l'Italie, exactement. Je trouvais pas leur surnom, mais quelle honte. Mais enfin, c'est pas grave. Quel jeu de la part des Italiens dans cette mi-temps. Bah, écoute, en tout cas, voilà, on aura... On aura fait ce qu'on... Voilà, en tout cas, on fait ce qu'on peut, voilà, pour essayer de vous montrer un beau match. Bon, vous voyez, après, c'est... Et actuellement, je dirais que le joueur du match, c'est Grace, quand même pas gagné, parce que quand même, il s'est fait encaisser un but, mais sur 10 tirs, il a quand même réalisé 9 arrêts. Je dirais que Pagini n'est tout simplement pas transversable, je sais pas si ça se dit, tout simplement. C'est-à-dire il laisse pas passer un seul ballon. Galfano, lui, depuis... Oui, exactement, c'est un mur. En même temps, ses origines sont simples. Il a été... Son père a s'occupé des murs qui s'écroulaient. Mais ça, c'est une chose qui ne nous regarde pas. J'étais obligé de la sortir. Il fallait que tu la sortes, référence des fameux inconnus. Donc, nous sommes partis pour la deuxième mi-temps. Voilà. Cette fois-ci, en espérant un excellent match de la part des deux équipes. Vraiment excellent dans ce magnifique stade du Maracana. En tout cas, Carboni est en train de le dire comme un malade mental. Il est en train de... Oh, il s'est fait prendre attaque. Non, il a réussi à l'exister. Oh, mais tu vois, j'ai joué un peu solitaire. Tu vois, c'est pas bien, ça. Comme un verre. Oh là là, ok, il est bon. Attention. Et pas... Oh, Pagani, vraiment
exceptionnel. Vous avez vu cet arrêt incroyable, ça passe exceptionnel. Et pourquoi tu le tentes de loin à chaque fois? Ah, mais parce que j'adore faire des tartes au feu. Là. Vous savez, parfois on peut faire des choses de loin, ça peut fonctionner. Hein. Comme regardez, hop, oh, arrêtez, il arrête, attention, là, une chance de dindon. Ah oui, mais quand même. Je savais pas que les dindons avaient des chances de s'en sortir. Hein. Donc c'est Potter ton et... Oh là là, oh là là, pas gagné. J'ai cru que t'allais pas gagné. Ça y est passé. Non, bah tout le monde. Oh là là, c'était plutôt. Oh, c'était plutôt risqué. Oui, oh, vous là là. Là, cette action là, avec De Good pour Vischer. Oh, bien repris par De Sinon. Oh, De Sinon. Oh là là, Carbonic qui a repris ce ballon. Oh là là, ça se joue. Oh là, d'accord. C'était trop fort cette frappe. Qu'est-ce qu'il a appris au jeu? Je ne sais pas lequel joueur, mais bon, il a appris une connerie à faire. Et il dégage ce ballon. Cognotto. C'était Cognotto. Putain, de bordel. J'ai cru sur le coup, tu vois, je me suis dit, allez, autant la tenter de loin. Autant la tenter de oh, tellement oh, de loin. Oh là là, comment t'as vu ça? Oh, Lucie, là 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 là. Attention. Oh, oh, ça fait. Ça, ouais, écoutez ce jeu italien, mes chers Cognotto, regardez, hop là, là. Il est de qualité. Ah oui, il est de tellement de qualité, regardez-moi ça. Ils sont certainement en train de fêter l'enfant de Galfano qu'il a eu avec une prostituée. Mais ça, ne nous regarde pas. Voilà, c'est exceptionnel l'action de la part de Cognotto. Magnifique, regardez, il a repris la défense à revers, mais c'est une action, mais alors, exceptionnelle. Exceptionnel, voilà. Oh là là là, c'est un but qui restera dans les annales du sport. Comment il l'a pris pour mener, c'est un match amical, donc on n'entrera pas contre. C'est parti, et c'est une ballon très repris. Il a voulu faire tout seul, Vischer, et ça a complètement merdé. On va revoir que l'action est... Oh là, c'est... Oh là là, c'est toute défense, oh, cette défense néerlandaise. Mais attention. Et c'est dingue, ça. Et c'était... Mais oh là, de loin. Oh là là. Et encore, c'est Cognotto, il me semble. Oh là là, là, il nous fait le hat-trick. Et c'est un magnifique 5-1. Il n'est pas demandé pour les Pays-Bas, hein, donc... On peut le dire, mais quelle action encore. C'est impressionnant. Quoi. Au niveau, on va dire, au niveau performance, on était quasiment... Identique au niveau offensif, défensif et du début. Pourtant, c'est ça qui est assez... Tout à fait, mais là, je sais, parti pour une bamboulade. Voilà. Oh, oh, oh là. Oh, je me suis dit, mais c'est bon, là. Monsieur Vischer, mais il a pas ses lunettes sous ses nez, là. C'est pas possible. Oh là, ça, c'est osé. Oh, ça, c'est... Tiens, le gardien. Cette fois, j'aimais bien aussi. Oui, ça c'était un petit délire, des fois on peut avoir dans le jeu sur dit tiens, on va essayer d'être. Mais là, tu vois, j'ai peur, donc je préfère déjà me barrer. Aïe, oh, oh. Le jeu est en train de bugger. Tu vois, le jeu est en train de bugger. C'est pas qui reprend. Voilà, hop, la touche, voilà. Hop, oh, ça rattaque. Ça, oui, oula. Oh, le ballon, oh, le ballon. Il a pris. Il frappe de loin. Oh, oh, oh là là. Oh, le poteau. Oh là, alors là, ça c'est dommage ça. Quelle action! Oh, j'adore les tartes au feu, les patates allemandes, comme on les surnomme tout simplement. Tu vois, des fois. Et c'est la fin de ce match de toute façon, avec Derek essaye encore une fois de loin. Et Pagani, mais c'est un oiseau, messieurs dames, c'est un oiseau, Pagani, il a repris ce ballon, regardez, c'est un viol. Il a pris ce, comme si c'était les seins de sa grand-mère là, qui appréciait tellement, comme si c'était un oreiller quand il était tout petit. Ce Pagani est incroyable, vous avez vu cette prise de balle. C'est exceptionnel, mon cher Pagani. Ah oui, on est bien d'accord. Et on est parti pour le 6-1, et oui, incroyable. Quadruplé de Cognotto. Incroyable, et c'est officiel. Monsieur, mon cher ami, c'est une vraie passoire, ce gardien. Écoute, on s'est à se demander, alors... Ça me rappelle un très mauvais souvenir, un gardien de fou, un néerlandais aussi, ça, aussi de FIFA Soccer 94, je ne sais pas. Exactement la même chose. Oh, ça s'est terminé exactement sur le même score, le match, décidément. Certains diraient que c'est un score de Bifoot. c'est incroyable. Oh, puis, oh, Richard, mais alors, il était inutilisable, ce jeune garçon. Oh là là, et que là on est parti, alors Carboni qui est en train de prendre ce ballon, Carboni qui est en train d'accélérer, Carboni qui est en train d'éviter un joueur, et qui frappe, oh là là, c'est là, du 7-1, mais qu'est-ce que c'est, magnifique but de Carboni, super, Carbonara, qu'est-ce que j'arrive, j'ai failli dire Carbonara, non, le défenseur là, on va dire, c'est Kadji qui est écroulé, il en peut plus, il a dû se dire, mais j'aurais dû être gardien, qu'est-ce que je fous sur ce terrain, j'aurais peut-être été meilleur, certainement.
Et ça va durer encore très très longtemps, ces quelques minutes. Oh, tape par derrière de Desina, qu'est-ce qu'il lui prend? Il est complètement fou, Desina, mais qu'est-ce qu'il a appris de faire ça? En tout cas, action très rapide, ça serait bien. Ça serait bien que je vois quelque chose quand même. Allez, la caméra. Et ça sert à... Oh, le time! Ah, c'est le time. Ça aurait été un pénalty, monsieur l'arbitre. On a compris tout maintenant. L'arbitre est pour les Italiens. Et vous êtes arbitre. Ah oui, mais écoute, après, t'as qu'à changer de goal aussi. Ouais. Oh, magnifique, Timon. Ah, Timon, c'est fini. Bon. On a fini cette branlée, on peut le dire. Magnifique, hein, ça me rappelle. Décidément, le Brésil est lié au 7-1-1, c'est le cas de le dire. Après le 7-1-1 de l'Allemagne contre l'équipe du Brésil en 2014. Et oui, les Brésiliens, quand on n'a pas l'arbitre pour soi, c'est toujours aussi compliqué. Mais voilà. Ça après, voilà, on va voir entre tête de la Ligue 2014. Voilà. Et surtout, on pas se ce sont les choses qui ne nous regardent pas. Voilà, tout à fait. Évidemment. Évidemment, exceptionnel. Ouais, ça, c'est incroyable. Vous vous emballez, c'est terrible. Et une victoire nette, sans bavure. Des Italiens.